Bonjour, donc mesdames, messieurs, chers collègues orthopédistes, chers collègues rhumatologues et chers collègues, apparemment je n'ai pas le droit de dire éducateur. Si, médecin physique, chers collègues de la médecine physique, c'est ça, on dit comme ça. Alors nous y voilà pour les ROR4, c'est avec un honneur et je suis très ému de pouvoir, pour la quatrième fois, de vous réunir à nouveau. Ben c'est avec un immense plaisir et une grande fierté. I'm sorry, Mr. Parvizi. I will translate my speech now. C'est avec un immense plaisir et une grande fierté que nous vous accueillons aujourd'hui à Territ, au cœur du magnifique désert algérien, pour la quatrième édition du congrès, qui a pour thématique, cette fois-ci, prise en charge de la douleur de la hanche et du genou. Cet événement rassemble des médecins et des chercheurs de renom, tant nationaux qu'internationaux, pour échanger, partager et discuter des avancées les plus récentes dans notre domaine. En ma qualité du président de la SAGA, je suis honoré de voir réunis ici les experts des trois spécialités, toutes et tous animés par une passion commune dans l'intérêt suprême du patient. Notre rencontre durant ces deux jours revêt une importance particulière, car elle offre une occasion unique de collaborer, d'apprendre des uns des autres et de pousser les limites de la connaissance médicale. L'emplacement de Territ pour cet événement n'est pas seulement symbolique, mais également inspirant. Le désert, avec sa beauté neutre et sa sérénité, nous rappelle l'importance de la résilience et de l'adaptabilité des qualités qui sont essentielles dans notre pratique médicale quotidienne. En nous réunissant dans cet environnement majestueux, nous sommes également témoins de la richesse culturelle et de l'héritage historique de notre pays. Au cours des deux jours, nous aurons l'opportunité d'assister à des présentations de pointe, de participer à des discussions animées et d'échanger des idées avec des collègues nationaux et internationaux. Je vous encourage à profiter pleinement de cette occasion, à poser des questions, à partager vos expériences et à nouer des collaborations fructueuses. Je tiens à remercier sincèrement et devant vous toutes et tous nos amis étrangers donc qui nous ont fait honneur de répondre présent à notre invitation et qui rendront cette manifestation forcément encore plus intéressante. Donc je tiens à nommer le docteur Aymar de la Doucette, qui est le secrétaire général de la Société française de la hanche et du genou, avec qui nous sommes partenaires depuis maintenant 2 ans, et on a collaboré pour des travaux de qualité et de pointe. Merci Aymar d'être là. Je remercie également notre ami et confrère, le professeur Javad Parvizi. Donc, it's a great pleasure for me, Mr. Javad, to welcome to be with us today. Javad Parvizi, donc je l'ai connu à Dubaï, donc I met him at Dubaï after a little fight between us about the their mobility prosthesis. Donc Javad Parvizi, je l'ai connu à Dubaï, donc on a fait une table ronde de, on va dire la fashion mode French fashion de la double mobilité contre l'American fashion qui sont contre la double mobilité. Donc on a noué des relations très amicales. Et il est le président of American Orthopedic Surgery, donc on est partenaire avec lui aussi. Donc je vous invite à lui poser des questions, donc même si quelqu'un ne parle pas anglais. Donc j'ai mis spécialement Dr Aymar de la Doucette comme modérateur, il va faire le traducteur. Donc our translate today is Aymar de la Doucette. Donc, et puis je tiens également à exprimer ma profonde gratitude donc à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cet événement, les organisateurs dévoués aux sponsors généreux, leur engagement et leur soutien ont rendu possible la tenue de ce congrès. Et je leur suis extrêmement reconnaissant. Donc je nomme les laboratoires Mérinal, donc qui sont nos partenaires depuis la création des ROR. Donc je le remercie, ils sont vraiment très 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 professionnels avec nous. Je remercie également les laboratoires Becker, les laboratoires Biocare, les laboratoires Tabouk. Je sais que je vais oublier certains, mais c'est pas les. Fakaroni. Non, bien sûr, non, vous demandez, c'est à la fin. Je vous ai réservé un petit mot à la fin. Bio, WML. Et Frater Razes. Et puis il y a plein d'autres.
Mais alors, nous, aujourd'hui, on a un laboratoire que c'est la première fois où ils sponsorisent une journée d'orthopédie, donc les ROR, quoi. Alors pourquoi? Donc, quand ils ont vu le thème ROR, donc on a eu une discussion, ils vont nous faire un très beau symposium sur les maladies rares ou sur la maladie rare qui est l'hémophilie. Et vous savez très bien que Ben Aknon, grâce au docteur Formas et au professeur Yaroubi, bien sûr, on est un petit peu référent en matière de chirurgie des hémophiles. Et Novo Nordisk, donc ils nous ont invité trois orateurs de qualité, donc qui vont nous parler sur la prise en charge des maladies hémophiliques dans ce congrès. Je tiens à remercier particulièrement, j'ai laissé en dernier, notre ami algéro-tunisien, le professeur Oba, Mustapha Oba, donc qui nous fait honneur ici d'être là. Alors Mustapha Oba, alors il y a deux personnes, on a choisi Tarit spécialement pour eux. Donc on a choisi Tarit spécialement pour Mustapha Oba, donc il voulait à tout prix voir Tarit. Et malheureusement, Jean-Louis Prudent, qui est un des fondateurs de la saga, il n'a pas pu prendre l'avion hier, vous savez très bien, avec Air Algérie, on a toujours des surprises. Donc pour finir, je souhaite à chacun d'entre vous un séjour enrichissant et reposant. Je vous remercie, excellent séjour. Sans trop tarder, donc j'appelle les modérateurs, le professeur Ziani, docteur Aymar de la Doucette, donc à modérer la première séance. Et j'appelle notre ami Mustapha Yaroubi, donc qui va parler sur l'intérêt des trois spécialités dans la prise en charge des patients. Je vous remercie.